Bon, un match un petit peu décousu parce que énormément de fautes, quoi. On a vraiment été généreux sur ce début d'année, on va dire que c'est les étrennes, notamment au deuxième set où on donne 14 points sur 25, c'est pas possible de gagner un match. Alors évidemment le troisième set derrière, dès qu'on met un peu plus de pression, on a montré meilleure figure, mais on n'est pas assez régulier pour pouvoir tenir cette rencontre-là face à des vieux briscards qui savent faire avec les jeunes, quoi. Ouais, ça s'est joué à l'expérience notamment hein, dans le dernier set. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'on peut le dire sur la fin. Ouais. Après, à nous de travailler maintenant sur le service, à nous d'être un peu plus constant et à pas casser nos séries. Plus que d'essayer de les mettre en difficulté tout de suite à vouloir faire des aces, et bien jouer plus dans des zones et être plus patient, quoi. Mais enfin bon, après c'est des erreurs de jeunesse, on le sait. Il y avait quasiment que des cadets sur le terrain ce soir, sur de l'élite, donc je pense que c'est ça aussi qu'il faut retenir et que c'est un groupe très jeune à faire travailler, progresser, quoi. C'est vrai que vous auriez pu pousser le sas un peu plus dans ses retranchements dans l'ultime set si vous n'aviez pas raté de service hein, dans les points précis. Ouais, ces deux services-là et puis ce niveau-là aussi de relance qu'on a des occasions un petit peu manquées et de plus un moins un. C'est des petites fautes de filet alors que l'attaquant attaque dehors et toutes ces balles-là, c'est des plus un pour l'adversaire et ça fait pas de points pour nous. Donc c'est des points de bascule comme on dit qui n'ont pas été en notre faveur ce soir. Pas par malchance parce qu'on n'était pas suffisamment précis dans ces moments-là et puis ouais, on s'est laissé un petit peu entraîner dans l'euphorie adverse à la fin et on n'a pas su maîtriser ces moments-là, quoi. Enfin, quel regard vous portez sur l'ensemble de la saison de vos jeunes? Bon, d'abord se dire que nous on a la chance de pouvoir continuer à jouer, à travailler par rapport à tous ceux qui n'ont pas à faire de sport. Donc ça nous, tous les jours on leur dit au quotidien qu'il faut mesurer cette chance-là. La saison elle est de toute façon très décousue, mais elle est décousue pour tout le monde. Donc voilà, il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur, parce qu'encore une fois, nous on a la chance de pouvoir jouer alors que beaucoup de gens sont rentrés chez eux, quoi. Donc on pense à eux et on espère que très vite ils vont pouvoir retrouver les gymnases, que tout le monde a envie de jouer au volley en ce moment-là.